faites le déplacement et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de vous dire. Ciao. Cette mission de tourismisation du Nord Cameroun, dont a découlé plusieurs éditions de Cameroun Vision, avec bien d'autres encore en perspective, a été rendue possible avec le soutien de plusieurs communes locales, avec en tête de gondole, celle de la ville de Garoua, notre prescripteur. Son nouvel exécutif communal, plus que jamais conscient de ce que le tourisme sera l'un des principaux, si ce n'est le principal levier sur lequel la ville devra s'appuyer pour connaître son essor, fait ici aux yeux de tous l'unanimité dans les efforts de développement de cette cité. Mais aussi pour ce qui est de l'assistance personnelle de son super-maire chaque fois que besoin s'impose. Comme ce matin, lors de notre passage, nous sommes à son domicile, en plein jeûne du Ramadan. La foule est nombreuse et les remerciements fusent de toutes parts. Nous sommes très émus par le geste de monsieur, du docteur Ousmaïla Mohamadou, super-maire de la ville de Garoua. Nous lui adressons nos vifs et sincères remerciements pour ces gestes, symboliques, ces gestes forts, afin que nos militants et militantes puissent fêter la fête du Ramadan dans de très bonnes conditions. Plus nous remercions beaucoup monsieur le maire de la ville. On fait bien travailler les femmes comme avant, plus qu'avant, parce que les femmes travaillent, on reconnaît. C'est pour cela que si vous voyez aujourd'hui, tous les élites du Nord sont en train de nous donner les choses parce que nous sommes aptes dans notre travail. Une fierté générée par monsieur le maire qui s'exprime donc aussi bien au masculin qu'au féminin. Docteur Ismaïla Mohamadou ayant pensé comme au mois de mars dernier avec les victimes de l'incendie du marché des poissons de Garoua, à venir en aide à ses camarades du parti, un geste de cœur en toute magnanimité, dépouillé de toute contrainte ou obligation. Vous savez, nous sommes à la veille de la fête de fin de Ramadan. Donc, pour permettre à nos militants de bien passer ces fêtes de fin de Ramadan, j'ai jugé qu'il était important de leur donner ce petit don, n'est-ce pas, à ces différents militants, tous les trois organes du RDPC. C'est des gens qui se sont battus, qui nous accompagnent. Nous nous sommes battus pour avoir la section, pour avoir, n'est-ce pas, la mairie de la ville de Garoua deuxième, qui nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir même la mairie de la ville de Garoua. Dans des occasions pareilles, j'ai estimé qu'il était normal que j'apporte une petite contribution pour que ces militants, n'est-ce pas, puissent agréablement passer les fêtes de fin de Ramadan. Présent pour le partage de ce présent, rien de moins que 42 sous-sections RDPC. 42 sous-sections OFRDPC et 42 sous-sections OJRDPC de la Benouette 2, mais aussi les présidents de ces différents organes de base, réunis en toute convivialité au domicile privé, du super-maire en mode Superman. À notre victoire à Garoua 2e, nous avons pu obtenir ce poste. Il a dit peut-être dans sa tête que Yanda, je n'ai pas lu, mais je pense que. Il nous a rassemblés. Pour ainsi dire, près de 200 sacs de riz distribués. Waouh, merci. C'est bon.
De belles enveloppes pour les commodités d'usage. Ça fait 100 000 francs. On peut applaudir s'il vous plaît. Dans l'héritage de l'Europe, en train de voir là-bas, on va au Dan Mountier, 100 000. Voilà. Mais aussi de belles bêtes à sacrifier à l'hôtel du Bonne Fête de fin de Ramadan. Le maire de la ville, Léon Sandoudi, de la plus belle des manières. On attend toujours leur soutien. Comme je dis, c'est grâce à eux. Je les remercie. Et on attend toujours d'eux. Parce qu'il y a des échéances futures qui arrivent. Donc nous comptons beaucoup sur ces militants de base. Oh,